J'étais assis sur le môle du petit port d'Auvernon, près du hameau de la Salive, pour regarder Antibes au soleil couchant. Je n'avais jamais rien vu d'aussi surprenant et d'aussi beau. La petite ville, enfermée en ses lourdes murailles de guerre construites par Monsieur de Beaumont, s'avançait en pleine mer au milieu de l'immense golfe de Nice. La haute vague du large venait se briser à son pied, l'entourant d'une fleur d'écume. Et on voyait au-dessus des remparts les maisons grimper les unes sur les autres, jusqu'aux deux tours dressées dans le ciel comme les deux cornes d'un casque antique. Je regardais cela émerveillé. Je dis à ma compagne: Madame Martini, une méridionale pure sang. Voilà certes un des plus rares spectacles qui m'ait été donné de regarder. J'ai vu le Mont-Saint-Michel, ce bijou monstrueux de granit, sortir des sables au jour levant. J'ai vu dans les îles Lipari, le fantastique cratère de soufre du Volcanello, fleur géante qui fume et qui brûle. Eh bien, je n'ai jamais rien vu de plus surprenant qu'Antibes, debout sur les Alpes au soleil couchant. Et je ne sais pourquoi ces souvenirs antiques me hantent, des vers d'Homère me reviennent en tête. C'est une ville de l'Odyssée, c'est Troie. Madame Martini tira de sa poche le guide Sartier et lut: cette ville fut à son origine une colonie fondée par les Phocéens de Marseille vers l'an 340 avant Jésus-Christ. Elle reçut d'eux le nom grec d'Antipolis, c'est-à-dire contre-ville, ville en face d'une autre, parce qu'en effet, elle se trouve opposée à Nice, autre colonie marseillaise. Après la conquête des Gaules, les Romains firent d'Antibes une ville municipale. Ses habitants jouissaient du droit de cité romaine. Nous savons, par une épigramme de Martial, que de son temps... Je l'arrêtais. Peu importe ce qu'elle fut, je vous dis que j'ai sous les yeux une ville de l'Odyssée, et il n'en est point sur l'autre bord de la Méditerranée qui éveilla en moi, comme celle-ci, le souvenir des temps héroïques. Un bruit de pas me fit tourner la tête. Une grande femme brune passait sur le chemin qui suit la mer, en allant vers le cap. Madame Martini murmura en faisant sonner les finales: c'est Madame Paris, vous savez? Non, je ne savais pas. Elle parut stupéfaite. Mais ce nom jeté, ce nom du berger troyen me confirma dans mon rêve. Madame Paris, vous êtes stupéfaite que je ne connusse pas cette histoire. Ben oui. J'affirmais que je ne la savais point. Et je regardais la femme devant moi qui s'en allait sans nous voir, rêvant, marchant d'un pas grave et lent, comme marchait sans doute les dames de l'Antiquité. Elle devait avoir 35 ans environ et restait belle, fort belle, quoique un peu grasse. Oh. Et Madame Martini lui conta ceci: Madame Paris,
une demoiselle Combolombe, avait épousé un an avant la guerre de 1870, Monsieur Paris, fonctionnaire du gouvernement. C'était alors une belle jeune fille, aussi mince et aussi gaie qu'elle était devenue, forte et triste. Elle avait accepté à regret à Monsieur Paris, un de ces petits hommes à bedaine et à jambes courtes, qui trottent menus dans une culotte toujours trop large. Après la guerre d'Antibes, Antibes fut occupée par un seul bataillon de ligne commandé par Monsieur Jean de Carmelin. Un jeune officier décoré pendant la campagne et qui venait seulement recevoir ses 4 galons. Comme il s'ennuyait fort dans cette forteresse, dans cette taupinière étouffante, enfermée en sa double enceinte d'énormes murailles, le commandant allait souvent se promener sur le cap. Promène-toi, commandant! Oh. Le cap, une sorte de parc de forêt de pins éventée par toutes les brises du lac. Il y rencontra Madame Paris, qui venait aussi, les soirs d'été, respirer l'air frais sous les arbres.
mal et persistant. Vous me causerez de quelques minutes. Un coucher de soleil. Oh, un coucher de soleil. Oui. Et des légumes. Oui. Et des vagues. Oui, elles sont agitées ce soir. Oh oui. Oh, comme vos yeux. Oui, ils osèrent faire quelques pas ensemble, en s'entretenant de sujets quelconques. Alors moi, mon tour, je le jette dans la boîte. Tu es désolé. Oh, il est comme cet original. Oh oui. Mais leurs yeux se disaient mille choses plus intimes, de ces choses secrètes et charmantes, dont on voit le reflet dans la douceur, dans l'émotion du regard, et qui font battre le cœur. Le secret, oui, de ma Charlotte aux fraises, oui, c'est qu'il faut beaucoup de fraises. Ces secrets qui confessent l'âme, mieux qu'un aveu. Le cake aux olives. Oui. Son secret, c'est qu'il faut... Des olives. Oui. Puis, il dut lui prendre la main et balbutier ces mots que la femme devine sans avoir l'air de les entendre. Soleil, mer, écume, olive, framboise. Et il fut convenu entre eux qu'il s'aimait. Oui, mais alors écartez-vous qu'on me voit. Ils s'aimaient sans qu'ils se fussent prouvés. Pas rien de sensuel que brutal. Elle serait demeurée indéfiniment à cette étape de la tendresse, elle. Mais lui, c'était un homme, hein. Il voulait aller plus loin, lui. Plus loin, oui. Il la pressa chaque jour plus ardemment de se rendre à son violent désir. Elle résistait. Non. Ne voulait pas. Non. Non, je ne peux pas. Elle est résolue à ne point céder. Non. Un soir pourtant, elle lui dit comme un peu ça par hasard. Mon mari vient de partir pour Marseille. Il y va rester 4 jours. 4 jours. 4 jours. Jean de Carmelin se jeta à ses pieds. Jean de Carmelin se jeta à ses pieds. Jean, oui. La suppliant d'ouvrir sa porte. Ce soir même, vers 11h. Mais elle ne l'écouta point. Et rentra d'un air fâché. Oh, ça va. C'est écrit. Le commandant, c'est vous le commandant, hein, fut de mauvaise humeur tout le soir. Le lendemain, dès l'aurore, il se promenait encore rageur sur les remparts. Allant de l'école du tambour à l'école de peloton. Et jetant des punitions. Oh, mauvaise humeur. Aux officiers. J'aime pas. Et aux hommes. Ça, c'est mauvaise humeur. Comme on jetterait des pierres dans une poule. Ça traîne, ça. Non, mais vous faites attention quand même, c'est pas. Mais en rentrant pour déjeuner, il trouva sous sa serviette, dans une enveloppe,